Mais j'ai oublié de vous montrer un truc. Attendez. Non, si. Oh. Coucou, YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement vous l'avez vu dans le titre, petite ritournelle de début de vidéo, pour un haul Shein. Alors ça va être un haul mode femme et accessoire femme. Accessoire, vous avez vu, hein, l'accessoire premier, parce que je sais très bien, je vois vos petits yeux là depuis que vous avez cliqué sur la vidéo, et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a fait la Delphine? Qu'est-ce qui se passe donc? Oui, j'ai osé le chapeau. Alors j'aime beaucoup, beaucoup ce genre de chapeau, mais après bah, je savais pas si ça allait aller à ma face. En fait, je suis Colline, l'influenceuse, la youtubeuse, la tiktokeuse, l'instagrammeuse Colline depuis quelques années maintenant. Et elle porte régulièrement ce type de chapeau. Bon, après, ça lui va bien. Colline, c'est une jolie fille, elle a un joli look et tout ça. Je me suis dit, ben, est-ce que ça irait à ma tête, hein, parce que tout ce qui va à Colline ne va pas à Delphine, hein. Donc, un, je l'avais vu sur Colline. Et deux, vous allez voir les références un petit peu que je vous sors. Je l'avais vu dans l'émission de Stéphane Plaza qui recherche un appartement ou une maison à vendre ou à louer là. Il y avait une nana qui recherchait un appartement et qui avait un chapeau comme ça et ça lui allait trop trop bien. Ça, je trouvais que ça faisait un trop trop joli look et je me suis dit bah vas-y, Colline plus la nana de Stéphane Plaza, allez-y, allez-o, je me suis lancée. Et écoutez, je trouve plutôt très très sympa. Je vais l'enlever là. Après, je le remets hein, parce que franchement, depuis que je le quitte plus, je l'ai reçu, je le quitte plus. Donc là, il est vraiment hyper joli. Il y a une petite forme comme ça dessus en métal, en cuir, machin. Franchement, je le trouve trop beau. Pour vous montrer un petit peu, il était livré là-dessus. Dans le carton, donc vraiment ça pouvait vraiment pas s'écraser, donc ça c'est plutôt bien. Et puis bah écoutez, nickel. Alors je sais plus si, je crois que c'était taille unique sur le site internet, je me souviens pas avoir mesuré ma tête pour voir si ça m'allait ou pas. Quand on reçoit le chapeau, il y a une étiquette à l'intérieur qui dit 57 cm, donc bah voilà, si, comme ça peut vous donner une idée de taille de tête. Alors après, ça dépend comment tu mets ton chapeau. C'est sûr, si tu le mets comme ça, chapi, chapi, chapalo, chapach, c'est pas comme ça. Hein? Faut vraiment le porter. Enfin, je dis ça en même temps, on dirait que la nana qui a l'habitude de porter des chapeaux. Pas du tout. Plus casquette ou comme ça l'été. Mais comme ça, je trouve ça super joli. Hein? Avec un petit manteau. Un petit manteau, une petite écharpe, un petit chapeau. Je trouve ça très beau. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que, déjà, un, est-ce que vous aimez bien le chapeau? Deux, est-ce que vous trouvez que ça me va? Parce que c'est quand même deux questions assez différentes, hein. Écoutez, moi, je le trouve joli. Donc, je pense, franchement, ça me donne envie de commander différents chapeaux de différentes couleurs. Notamment, je pense que je vais me laisser tenter par un beige, par un marron. Et bah écoutez, j'étais ravie. Et en plus, franchement, bah, de toute façon, je vous mettrai les prix hein, comme je fais d'habitude dans la vidéo. Mais franchement, au niveau des pesetas, je vais essayer de retrouver mes petites notes, mais il était bien. Et il était à 7 euros. Franchement, 7 euros, ça permet de voir si on matche bien, si ça nous plaît bien ou pas. J'adore. J'adore, ma chérie, j'adore. Ensuite, on va rester dans les accessoires. Alors celui-ci, je le ziotais depuis je sais pas combien de temps. Et alors petite info, quelquefois quand je vous présente des articles, vous me dites bah, il est plus disponible, mazette. N'hésitez pas quand même à liker le produit et à le mettre dans votre panier et à regarder de temps en temps s'il revient en vente, puisque bah, moi c'est régulièrement ce qui m'arrive. Et notamment sur ce sac là, je l'avais mis dans mon panier. Il n'était pas dispo. Et là, bingo, 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 il est revenu dispo. Et donc, je l'ai reçu. Et regardez, j'adore. Bon, alors moi, ce style-là, forcément, moi, j'aime beaucoup hein, les trucs à moumoute, les trucs, vous me connaissez. J'aime bien. Et là, le sac comme ça, avec la moumoute. Oui, il fait du bruit, il doit avoir un truc à l'intérieur. Attendez, voilà. J'ai reçu le colis vraiment, il y a vraiment très peu de temps puisque je l'ai reçu ce midi, donc il n'y a pas longtemps. Mais j'avais vraiment quand même envie de vous faire cette vidéo rapidement si jamais il y a des choses qui vous intéressent. Vous voyez, il est tout mouteux là, sur le devant. Il est grand, hein. Franchement, il est grand à l'intérieur. Je le trouve hyper joli. Il y a une, comment ça s'appelle? Une, pas une lanière, une anse? Non, comment c'est? Une bandoulière. Une bandoulière comme ça en chaîne que vous pouvez mettre court, que vous mettre long. Je vous ferai de toute façon. Alors oui, parce que attendez,
j'ai pas expliqué le truc. Il y aura pas d'essayage terrasse. Hein. Et là, je vous le dis, on rentre dans la période hivernale. Hein, et même si je suis avec mon couvre-chef et que je ne vais pas avoir froid à ma petite tête, je vais avoir froid partout. Moi, et voilà, je peux faire mille choses pour vous. Mille choses pour vous, mais affronter le froid, sachez que non. Jamais, je ne suis pas capable de ça. Je déteste le froid. Donc là, les essayages terrasse, ben, on reviendra au printemps. Mais en attendant, on fera un essayage chambrasse dans ma chambre. Au fur et à mesure des pièces, je vais insérer les essayages et puis ben, vous verrez comme ça. Donc là, tout à l'heure, je le mettrai en cadre plus large pour que vous puissiez le voir porter. Mais ben, écoutez, très joli. Il y a une poche derrière, je découvre en même temps que vous. Il y a une poche dedans, je crois aussi. Ouais, il y a deux poches dedans. Une poche là et une poche zippée. Et j'adore ce look. Là, avec un truc même un peu habillé, pour casser un petit peu le truc, ou une paire de tennis, tous les looks vont à ce sac. je le trouve, mais trop, trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. J'adore. J'adore ce sac. J'espère que la lumière est bien, parce que j'ai l'impression que ça pétille, là, non? Que c'est tout brouillareux, là. Il n'y a pas de brouillard, là. Ensuite, alors je m'étais dit, on va arrêter les pulls. Sauf que quelquefois, t'as des pulls, mais ils sont tellement... tellement joli. Et là, c'est la couleur. Hein. Et c'est la couleur qui m'a décidé au truc. Là, je m'attendais pas à cette matière-là. C'est matière... ça fait pas pull. Bon, on va voir au niveau du look ce que ça donne. Regardez la couleur. La couleur avec le col roulé, là. Je trouve ça hyper joli, hyper beau. Après, la matière, je suis pas fana de la matière. Je crois que c'est la première fois que je reçois de Chine un truc comme ça. Alors j'ai pris une taille M, mais pareil, je vous mettrai toutes les tailles en barre d'infos comme je fais d'habitude. Mais je sais pas, la matière, elle fait flouk. Il y a que ça qui me vient en tête. Une matière flouk. On essaiera tout à l'heure. Donc, on a dit, hein, pas d'essayage terrasse, ça sera essayage chambrasse. Dites-moi si ça vous convient, on reste comme ça. Si ça vous convient pas, dites-le moi. Et j'essaierai de trouver une autre solution. Bref, alors, le pull orange. Alors, il est comme ça. Il a donc des petits boutons ici. Alors, j'aime beaucoup la couleur. Mais au niveau de la matière, je sais pas comment dire. C'est une matière qui fait... Je sais pas. C'est pas quelque chose que je vous recommande. Je me dis pas, génial, je suis contente, il est formidable. Non, la couleur, et c'est vrai, est hyper jolie. Par contre, au niveau de la matière, je sais pas si... Ça se voit absolument pas à la caméra, mais la matière fait... Ça pique pas, c'est pas désagréable, mais... Je sais pas comment penser. J'ai pas souvent de fail sur Shein, mais là... non. Et puis, je sais pas, il bouffette un peu ici. Ça, c'est pas... Au suivant, j'ai envie de dire. Ensuite, alors... Ah oui, celui-ci. Alors, dans un de mes derniers haul Shein, je vous avais présenté un cardigan blanc qui est, mais trop joli. Je n'arrête pas de le mettre. Il fait tout son effet. À chaque fois que je le porte, je vous assure qu'on me fait des compliments sur ce cardigan. Et il y avait le même... Non mais moi quand j'aime un truc, vous savez c'est comme les jeans Lucien de chez Promode, quand il y a une coupe de jeans qui te va, tu le prends en bleu, en noir, en gris, tu te fais tout le truc. Et ben là c'était un peu pareil, j'ai tellement aimé le pull blanc que je l'ai repris en noir. Je sais déjà qu'il va être bien parce que le noir c'est un basique, mais oui ça fait tout brouillareux encore là. Bon bref, hein, on a commencé comme ça, on va finir comme ça. Ben là je pense que vous allez pas voir grand chose. Voilà, il y a des boutons comme ça qui sont sympas, un petit peu bicolores, et je sais très bien que ça va être sympa. Alors là pareil, hein, ça va être un essayage chambre, mais je sais pas s'il y aura du repassage. Je vous le dis direct, non mais il y a du relâchement, c'est l'hiver. Vous m'excuserez, je le fais tout le temps, je sais que je suis assez à cheval en plus là-dessus, et je pense qu'il y aura pas de repassage. Alors, on arrive au cardigan. Alors le cardigan, franchement, pour moi, c'est pas une surprise, puisque c'est exactement le même que le blanc qui est là-bas, je vais aller vous le chercher. Voilà, c'est exactement le même que celui-ci, que je n'arrête pas de porter, franchement, il est impeccable. Et donc je l'ai repris en noir, enfin je l'ai pris en noir. C'est vraiment le basique. Au niveau de la taille, je sais plus ce que j'ai pris, mais ça taille impeccablement bien. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, il est super.
Il est hyper doux. Bon, après, les boutons, on aime ou on n'aime pas. Mais là, c'est un petit bouton comme ça, un petit peu moitié nacré, moitié pas nacré. Donc, franchement, moi, ça me dérange absolument pas. Je le trouve très bien et je sais déjà que ça va être un basique pour moi et que je vais le mettre hyper souvent. Je sais, je me connais. C'est une pièce, là, pour le coup, je vous le recommande. Comme je vous avais recommandé le blanc à 1000%, allez-y, il est très très bien. Ensuite, voilà, là, je suis trop contente d'avoir pris cette couleur là, après le noir, après le blanc. Sur le site, franchement, il fait pas ça comme couleur, il a un côté un peu, je sais plus comment, mais un peu terra, enfin assez foncé en fin de compte, alors que là devant mes yeux, il a un côté un peu, oh, putain, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, un peu rose poudré, je sais pas, il est super joli. Vous voyez, c'est vraiment une pièce là avec les petits trous comme ça. Il est trop beau, il est trop joli. Ça va faire vraiment sympa. Les petits boutons, comme c'est les mêmes hein, que le noir. Ah oui, il est très chouette. Alors celui-ci, c'est exactement la même coupe, c'est exactement le même gilet, sauf que il est en... Là, il est un peu transparent, hein, on voit quand même ma lingerie en dessous noire. Donc ça, il va falloir faire attention. Mais au niveau de la couleur... Il est très 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 joli, une sorte de rose poudré, mais quand même avec on dirait qu'il y a un petit peu de noir dedans, je sais pas. Au niveau de la longueur, bah c'est, de toute façon c'est le même, donc j'aime beaucoup. Là pareil, si vous aimez ce style là, si vous aimez la couleur, si vous aimez la coupe, allez-y, je vous le recommande. Ensuite, alors là j'ai essayé, parce que sur le site, ça faisait vraiment hyper joli. Et ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, bah c'est le dos. Alors, attendez, je vous montre. Alors, déjà, oula, ça fait du boucan par contre. Hein. Si je me promène et qu'on a l'impression que c'est une vache qui se balade, ça va faire bizarre, non? C'est bizarre. Au niveau de la finition, c'est un pull qui fait un peu tout doux. Donc ça, c'est nickel. Par contre, je suis gênée par le bruit, moi. Hein. Donc ça, c'est l'avant. Alors, ouais, vous n'allez pas voir. Je vous le laisserai tout à l'heure. Donc ça, devant, ça fait un tout petit V. Et derrière, là par contre, vous allez avoir le décolleté de la mort, puisqu'il est hyper bas. Et c'est retenu avec une chaîne, la chaîne vache qui tient le haut. Ah non, parce qu'une fois que c'est bien tendu, ça ne devrait pas faire de bruit. Mais je trouvais ça hyper joli. Donc la petite chaîne comme ça, enfin la petite chaîne, la grosse chaîne qui tient le cou. Là j'ai pris une taille S, c'est la ligne Shein Frenchie. Vous savez, je vous ai déjà présenté plusieurs pièces de cette ligne-là que je trouvais très très sympa. Donc écoutez, on va voir, je me demande s'il va pas être trop court. Moi, les pulls courts, je suis pas fan. Hein. Quand c'est limite sur le ventre, j'aime pas trop. On verra bien. Alors, mon collier vache, qu'est-ce qu'il dit? Je sais déjà qu'il va être trop court. Je vous le dis direct, vous n'avez pas vu encore le bas du pull. Mais pour moi, il est trop court. Par contre, il a l'air super joli. Hein. Donc les manches, comme ça, un petit peu duvet, duveteuse, machin, c'est très très joli. Le col en V, je vous découvre en même temps que vous. Le col en V est beau. Le dos, alors attends, le dos, il est comment? Le dos, bon, il y a l'étiquette là déjà. Et le dos est comme ça. Fait comment? Il est trop court pour moi. Si je lève les bras, on voit le ventre et tout ça. Donc ça me plaît absolument pas. Donc je verrai, je proposerai ce pull-là à ma fille pour une soirée et tout ça, parce qu'elle va pas aller à l'école comme ça. Si elle aime bien, ça sera pour elle. Si elle aime pas, ben, je le mettrai sur mon Vinted. Les pulls courts ne vous dérangent pas. Il est très très bien. Hein. Il est très très doux. Et le dos est beau. Enfin, le dos est beau. Je sais pas, parce que j'ai pas trop trop regardé. Mais en tout cas, sur la photo, c'était joli. Mais vous voyez le rendu. Alors, est-ce que ça fait du bruit? Si tu cours, ah, je le peigne moi trop. Vite, je suis en retard. Ça fait pas de bruit. C'est bon. Validé. Très bien, mais trop court. Donc, pour moi, ça sera non. Ensuite. Ah ouais, alors ensuite, bah, ça, vous le verrez pas dans l'essayage terrasse. ça sera pas l'essayage terrasse. Oh là là, elle est trop douce. Oh, je suis contente, elle est trop trop douce. C'est la marque. Donc, c'est une chemise de... Enfin, une chemise de nuit, un déshabillé, un truc pour être à la maison, un petit peu sexe. C'est de la ligne Luvelette. Non, Luve. Ouais, Luvelette, à chaque fois je bug sur ce mot-là. La marque de tout ce qui est sous-vêtements, pyjamas et tout ça. Et j'avais déjà commandé des pyjamas de cette marque-là et à chaque fois j'ai été extrêmement contente. Et là, j'ai essayé
Attends, parce que je galère un peu. Comment c'est? Parce que ça doit être croisé dans le dos. C'est une longue, longue pièce, puisque regardez, tuk-tuk-tuk. Bon, je pense que je ne vais pas l'essayer hein, devant la caméra, il y a peu de chance. Mais je vous dirai, hein, à chaque fois, de toute façon, vous avez toutes les annotations, c'est bien, c'est pas bien, c'est trop petit, c'est trop court, c'est un flop, c'est un coup de cœur. Vous aurez toutes les annotations sur la vidéo ou en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir également dans la barre d'infos, parce qu'il y a plein d'infos dans la barre d'infos, puisque c'est la barre d'infos. Mais par contre, elle est d'une douceur. C'est hyper doux. Alors ça, j'adore. Parce que moi, je dors comme Ève et Adam. Mais alors là, ça te donne presque envie de dormir avec. 94% rayon. C'est une matière, le rayon? C'est quoi, rayon? Dites-moi en commentaire. Moi, je vais paraître pour une nunuche, hein, mais je vous le dis. Je sais pas ce que c'est. 94% rayon, 6% élastane. Elle a l'air très jolie. On va voir après au niveau de l'essayage. Bon alors, je vous l'essaye quand même. Je vous l'essaye quand même, mais j'ai quand même mis mon gilet long par-dessus que j'aime et que j'adore et que je mets tout le temps. Elle est très très jolie. Donc je vous montre vite fait là des petits plans. Donc il y a une petite dentelle sur le haut là, très très jolie. Mais est-ce que vous voyez mes pieds ou pas? Je sais pas si vous voyez mes pieds. C'est horrible. Est-ce que vous voyez? Moi, c'est pas l'essayage terrasse hein. Vous allez voir. Au niveau de la longueur, elle est très très jolie. Elle est hyper agréable à porter. Je vous la recommande à 1000%. J'adore. Elle est, elle fait pas froid. Elle fait déshabillée. Enfin déshabillée. C'est un déshabillé. C'est une chemise de nuit, mais confortable, doudou, tout en étant très très jolie puisque elle est féminine dans le dos. Je vous montre pas, mais elle est croisée et c'est très très chouette. Je valide à 1000%. Si jamais vous aimez bien dormir avec un petit truc tout doux, ça fait un peu pas t-shirt, mais c'est très agréable sur la peau. Là, franchement, je valide à fond. Très joli. Le décolleté, ça fait très joli aussi. Validé. Ensuite, il y a 2 minutes, je vous parlais de la marque Luvelette. Et ben là, j'adore le rose. J'adore le rose. J'ai repris donc de cette marque-là, j'ai pris un pyjama rose comme ça. Franchement, en photo, il avait l'air trop trop joli. La matière est un petit peu brillante. C'est joli comme tout, j'ai pris une taille M. Alors ça pareil, hein, je sais pas, tout ce qui est de toute façon un peu transparent machin, je sais pas si je vous l'essaierai en caméra. Il a l'air très très joli, très sympa. Je prends toujours une taille M dans la marque Luvelette et à chaque fois les tailles sont très très bien. Donc c'est les deux pièces, pyjama et veste de pyjama. En demi-saison, vous ne portez que ça. Et puis l'hiver, vous mettez un gros gilet par-dessus ou une robe de chambre ou un truc un petit peu plus chaud. En général, moi je mets un grand grand gilet long et c'est vraiment super. Hey, j'ai l'impression que je vais aller me coucher. Et très très chouette. Bah, franchement, hop, petit tabouret. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va donner cette vidéo? Bah, c'est comme ça. Hein. Il y a un petit peu de tout, ça change. Comme ça, les vidéos, elles changent. C'est pas tout le temps la même chose. Un jour, c'est essayage terrasse. Un jour, c'est essayage dans la chambre, un petit peu à la one again. C'est comme ça. Il y a des petits effets comme ça sur le pyjama, vous voyez. Il est très très joli. Avec la petite poche sur le côté. Ouais, je vais aller le laver direct et je vais le mettre directement. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous ai pas montré le sac. Je vous ai pas montré le sac. Comment il faisait? Le sac? Sac pyjama. Il fait comme ça, le sac. Il est très, très joli. Vous pouvez soit le porter comme ça, en version courte, soit en version longue. Pas en pyjama, hein. Mais il est très sympa comme ça. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé des différentes pièces qu'on a vues aujourd'hui. Ah, mais j'ai oublié de vous montrer un truc. Attendez, oui, j'ai oublié de vous montrer un truc tout à l'heure. Mais oui, alors pourquoi j'ai oublié de vous montrer un truc? C'est parce qu'il n'était pas à côté de ma caméra, parce que c'est la seule chose que j'ai pris le temps, pourtant j'ai passé du temps tout à l'heure, la seule pièce que j'ai repassée avant le haul, parce que franchement, là, celle-ci, c'était pas possible de vous la montrer sans la repasser. Mais du coup, il faut que je me change, je peux pas l'essayer là-dessus. Et cette vidéo est très curieuse. Alors attendez, du coup, je renfile mon jean. Ah, c'est sûr hein, que la vidéo terrasse avec des petites musiques par-dessus, elle fait un peu plus, un niveau un petit peu plus haut de gamme. Quelquefois on peut pas. Quelquefois, au bout d'un moment, il faut qu'on se dise, Delphine, il faut aussi que tu dormes et que, voilà, des vidéos, je peux pas tout faire. Alors, me voilà de retour, habillée quand même.
d'une façon décente. La dernière fois, dans un de mes derniers hauls Shein, où je vous présentais les manteaux, les vestes et tout ça, je vous avais présenté un manteau beige. Je n'arrête pas de le mettre. Je sais qu'il n'était pas doublé. Je suis comme vous, je préfère quand les choses sont doublées. Quand c'est pas doublé, à chaque fois, je suis comme vous, je fais gna 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 gna, c'est pas doublé, j'aime pas. N'empêche que là, allez savoir pourquoi, ce manteau beige, franchement, je n'arrête pas de le mettre. Je le trouve trop joli. Il n'est pas doublé, mais je l'aime beaucoup. Et comme je l'aime beaucoup... comme l'histoire du cardigan, je l'ai pris en gris. Il est toujours pas doublé, hein, donc voilà, celles et ceux qui vont pas aimer quand c'est pas doublé, vous allez pas aimer parce que là il est pas doublé non plus. Mais c'est pas grave, quelquefois il faut s'asseoir sur des trucs comme ça. Et là c'est ça, il fallait forcément que je le repasse pour vous montrer, parce que par passé c'est une horreur. Et en gris, regardez comme il est trop beau. Alors attendez, je me recule. Tic 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 tic. C'est ma première, non je crois que j'avais déjà fait une vidéo chambre, mais on va dire que c'est une des premières vidéos chambre. Donc je suis pas encore tout à fait au fait du truc, peut-être que ça va être complètement ridicule au montage. On n'est plus à un truc ridicule près. Au niveau du look, ça fait ça. J'aime beaucoup. Bon, il n'y a toujours pas de poche, il n'est pas doublé, mais j'aime quand même beaucoup le truc. C'est vraiment le même modèle que le beige, et je sais déjà que je vais le porter cet hiver, en demi-saison. Écoutez, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai complètement oublié de vous le présenter tout à l'heure lors du déballage, mais oui, parce que j'avais pris le temps de le repasser celui-là. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce haul un petit peu à la One Again. Si vous avez aimé des pièces ou pas des pièces, dites-moi ce que vous avez pensé des différents truc, dis-moi ce que vous avez pensé de mon chapeau. Bon là avec le manteau ça le fait pas, mais attendez, on va finir avec mon chapeau quand même. Dites-moi ce que vous avez pensé de chapeau là, franchement. Enfin, aimer le chapeau ne veut pas dire que j'aime ma tête avec, hein. Je dis juste que j'aime beaucoup le chapeau. Après, bah, j'espère que ça me va un minimum. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, restez correct dans les commentaires, hein. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.